Alors, on va pouvoir commencer cette séance hypnotique. Il y en a qui sont venus se faire hypnotiser tout à l'heure. J'ai mis à fond, hein. Il y en a qui sont venus se faire hypnotiser tout à l'heure sur le stand. Lui, il revient. Lui, il était là hier soir et il revient. On va se faire une petite session hypnose. Un peu moins long que ce qu'on a fait hier, parce qu'il y a des choses qui arrivent derrière, des rapports de respect et tout ça, donc il faut qu'on fasse aussi. Mais on va faire beaucoup plus que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le stand. Dans quelques instants, je vais tous vous tester pour savoir qui est réceptif rapidement parmi vous. D'accord ? Toi, ça sert à rien de faire le test, tu n'iras pas sur scène. T'étais là hier soir, une fois, ça suffit. Mais avant ça, il faut que je vous explique rapidement deux, trois petites choses. Ceux qui vous dirigent sur le stand sont au courant. Mais il y a l'état d'hypnose, c'est l'état naturel dans lequel tout le monde passe deux fois par jour. D'accord ? C'est-à-dire que tous les matins, quand vous vous réveillez, tous les soirs, quand vous vous endormez, vous passez par un état hypnotique. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est prouvé scientifiquement. Donc, aucune raison de me dire, moi, ça marche pas, ça existe pas, c'est pas vrai. Ça marche sur tout le monde. Par contre, tout le monde n'est pas hypnotisable rapidement. Malheureusement. Seule une personne sur deux est hypnotisable rapidement. Donc, en gros, si vous regardez la personne à votre droite, puis celle à votre gauche, il y en a forcément un des deux qui est susceptible de venir ici sur scène. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous tester pour savoir qui est réceptif rapidement à l'état hypnotique. Et avant ça, je vous explique deux, trois choses. Il y a deux éléments qui peuvent me permettre de ne pas vous mettre en état hypnotique. La première, c'est si vous avez trop bu. Alors quand je dis trop bu, c'est trop bu d'alcool. Hein, je ne parle pas de vitesse, d'accord ? Si vous avez trop bu d'alcool, que vous êtes en état d'ébriété, eh bien, quelqu'un qui boit souvent, monsieur peut-être, je ne sais rien. Vous le dire, mais c'est quand on a trop bu, on n'a qu'une seule envie. On a envie de dormir. Enfin non, on a deux envies, dormir et pipi. D'ailleurs, il faut le faire dans le bon ordre, sinon tu tâches le lit, c'est dégueu. Donc, dormir et... Donc forcément, c'est très très simple pour moi d'endormir quelqu'un qui a beaucoup bu, parce que forcément, il a envie de dormir, il est parti pour oublier les rêves. Par contre, c'est très très compliqué, et vous avez pu le tester avec vos amis quand ils sont bourrés, de leur donner des ordres, des conseils sur l'état d'ébriété. Eh, prends pas la voiture, t'es con, t'es bourré. Non, il faut être moins déclé. D'accord, je rappelle. Donc, c'est très très dur pour moi d'endormir, et surtout de greffer des ordres dans la tête de quelqu'un qui a trop bu. La deuxième chose qui peut m'empêcher de vous endormir, c'est si vous avez trop fumé. Et là, pareil, je ne parle pas de Marlboro, hein, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si vous avez trop fumé, le THC provoque chez vous de la parano, tout le monde. Et la parano, c'est quoi ? C'est de la peur. Et si vous avez peur, forcément, l'état hypnotique, qui est la base du sommeil, ne va pas atteindre. C'est vrai que, voilà, il est là, il est beau gosse, tranquille, posé, beau vert, j'ai un petit peu suivi, un petit beau gosse, t'as peur de rien. Deux, trois choses à moi. Alors, dans la majorité, on va dire que t'as peur de rien. Mais par contre, si je le prends et que je le mets au cœur d'une forêt, dans une maison abandonnée, de nuit, sans électricité, sans son portable, partant d'orage avec des branches qui grattent comme ça sur le toit de la maison, je suis pas sûr que tu t'endormes tout de suite, on est d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous rassure sur quelques points, parce que forcément si les circonstances peuvent faire que vous ayez peur et que l'hypnose ne fonctionne pas. C'est trois points sur lesquels il faut que je vous rassure. Le premier, c'est qu'est-ce que l'état hypnotique en lui-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état hypnotique, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Car pour vous le symboliser, vous savez le soir quand vous vous endormez et que la télé fonctionne encore. Et là vous vous dites, oh non, j'ai pas encore éteint et hop, vous vous endormez. Vous voyez ce moment ou pas? Mais alors on va se mettre d'accord. Je suis une vraie personne, c'est-à-dire que vous avez le droit de me répondre. Ah, d'accord ? Est-ce que vous voyez ce moment ? Oui ! Très bien. Donc, toi, c'est arrivé hier soir, mais tu vois, état hypnotique hier soir. C'est à ce moment-là, parce que tu es assez conscient pour comprendre que la télé fonctionne, mais pas assez conscient pour te lever, prendre la télécommande et l'éteindre. D'accord ? État hypnotique. Ou alors le matin, tu entends les travaux dans la rue et tu dors encore. Et tu as conscience que tu dors pendant que tu écoutes tes travaux. Tu vois ce moment-là ? Ouais. Donc, ça, c'est un état hypnotique et vous y passez tous minimum deux fois par jour. Donc forcément, aucune raison d'avoir peur dans l'état que vous vivez toutes les fois par jour. La deuxième chose qui peut faire peur, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on est endormi ici sur la scène, là sur les chaises, ou là par terre, là, ou là-bas, ou là-bas aussi, ou même là, ça marche partout, même là-bas au fond, en tous les cas, ça marche en tous les cas. Cette sensation, c'est tout simplement, vous savez, quand le matin, vous appuyez sur le bouton du réveil en disant, ah non, 5 minutes de plus. Elles sont bonnes, c'est 5 minutes de moins. C'est les meilleures. Pourquoi c'est les meilleures?
Ben, tout simplement parce que vous êtes conscient que vous allez pouvoir continuer à dormir. Donc, en d'autres termes, vous êtes anti-conscient, anti-encore, à l'état hypnotique. Vous voyez que c'est prouvé, c'est comme ça. Donc, aucune raison d'avoir peur d'un état que vous connaissez déjà et surtout que vous aimez déjà. La troisième chose qui peut faire peur, et dernière chose, c'est qu'est-ce que je vais faire de vous quand vous serez ici. Et alors là, il faut que vous sachiez que je ne fais dans tous mes spectacles que des actions qui sont respectueuses et bienveillantes. Ceux qui m'ont vu hier soir ou sur le stand là-bas, je ne fais que des actions respectueuses et bienveillantes. Le but, c'est que des gens qui ne sont pas montés sur scène regrettent de ne pas être passés sur scène. C'est ça. La deuxième chose, c'est que dans la tête, vous avez tous un petit fusible qui s'appelle l'intégrité. Et si j'essaie de bousculer votre intégrité, forcément votre cerveau me prend comme une agression. Et là, je vous le donne en mille, si vous dormez, vous rêvez qu'on vous agresse, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, on se réveille. Donc forcément, impossible pour moi de dépasser votre intégrité. Donc par exemple, si je demande à mademoiselle, non, tourne pas le regard, c'est de toi que je parle, elle regarde derrière, je vais disparaître. Non, non, je disparais pas, c'est pas. Si je vous demande de te mettre totalement nu sur scène, en état d'hypnose, hein, tu ne le feras pas. Tu le feras ou pas? Non, tu le feras. Bah donc, elle le fera. Sans regret. Non, sans regret, sans regret. Non, on ne sait jamais, ça va mal entendu. Non, donc elle le fera. Mais si sur l'état d'hypnose, je la force à le faire, forcément son cerveau va le prendre comme une agression et elle va se réveiller. Alors, il y a une autre raison aussi pour laquelle je ne le fais pas. Là, cette raison, c'est que, imaginons que mademoiselle soit adepte des plages naturistes. Alors là, niveau intégrité, open bar. Alors là, le show tout public, c'est foutu. Donc je ne fais pas de choses comme ça dans les spectacles. Ok? Lui, il est dégoûté. Quel âge tu as, mon pote? Oui, toi, ne tourne pas, c'est toi. Quel âge tu as? Quel âge tu as? 10 ans. Donc tu ne feras pas de mission aujourd'hui. D'accord? Voilà. Non, je te dis non, ce serait important. Il est dégoûté, il est grave dégoûté. Donc on ne fait pas de choses comme ça. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors si c'est bon pour tout le monde, je vais maintenant vous tester, on va faire un test que tous les hypnotiseurs font pour savoir si vous êtes réceptif rapidement ou pas. Et pour ça, je vais vous demander à tous de vous lever. Vous allez tous vous lever. Alors bien sûr, si vous êtes déjà debout, vous ne vous relevez pas. Ça sert à rien que vous êtes déjà debout. La blague pourrie, la rigolade, elle a même monté. Alors, c'est bon? Voilà, mais croyez-moi, vous êtes, tu sais. Alors, vous allez tous vous lever, vous allez... Pardon. Écarter les jambes d'à peu près 20 cm. Les bras le long du corps. C'est 20 cm ça pour toi? Ouais. Ah, hey. C'est pas 20 cm, ça il t'a menti, je te dis tout de suite. Ton chéri t'a menti, c'est pas 20 cm. C'est plus petit. Alors, donc, les jambes écartées 20 cm, les bras le long du corps. Et dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et sur chacun des chiffres, vous allez effectuer une action. Ces actions elles sont très très simples. Ne faites rien pour l'instant, juste vous regardez par ici. Sur le 1, vous joindrez les mains. Heureusement, j'ai dit de faire tailler les choses. Calme-toi. Donc, sur le 1, vous joindrez les mains. Sur le 2, vous croiserez les doigts. Et sur le 3, vous écarterez les index d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et vous ne fixerez uniquement que le bout de vos index. Ni votre voisin de droite, ni votre voisin de gauche. Juste le bout de vos index. Même pas moi. Le bout de vos index uniquement. Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, il dort déjà. Je vais la refaire. C'est un peu flou. Hein. Donc, ne faites rien. Les bras le long du corps. Les bras écartés, les jambes écartées de 20 cm. Sur le 1, vous ne faites rien pour l'instant, vous joindrez les mains. Sur le 2, vous croiserez les doigts. Sur le 3, vous écartez les index 1 cm, 1 cm. Et vous fixez bien uniquement le bout de vos index. Tout ça dans le plus grand des calmes, le plus grand des silences, en respectant les états hypnotiques qui vont intervenir autour de vous. C'est bon pour vous? Alors je compte 1, vous joignez les mains. Tout doucement, les pouces à hauteur du front, voilà, ça sert à rien de se mettre les doigts dans le nez, hein. Tout de suite, et je compte, 2, vous croisez les doigts, et 3, vous écartez les index, 1 cm, 1 cm et demi, et vous ne fixez que le bout de vos index, et à partir de maintenant, je vais prendre une vis et un écrou, et je viens serrer, et plus je serre, et plus vos doigts se rapprochent, de plus en plus, de plus en plus, sans que vous puissiez rien faire, sans que vous puissiez lutter, vous voyez vos doigts qui se rapprochent encore, 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 de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à se toucher, se coller, se serrer, complètement vissé, coller, serrer,
vos doigts se collent, se vissent, se serrent de plus en plus. À partir de maintenant, vous avez les doigts collés, vissés, serrés. Et lorsque vous avez les doigts vissés, collés, serrés, vous fermez les yeux volontairement. Maintenant, vous fermez les yeux volontairement et vous vous concentrez uniquement sur vos doigts qui continuent à se coller, à se visser, à se serrer. Vos doigts sont collés, vissés, serrés. Vous vous concentrez uniquement sur vos doigts qui se collent, qui se vissent, qui se serrent. Dans quelques instants, vous allez sentir ma main sur votre épaule. Et lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule, je ferme les yeux volontairement. Lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule, vous ouvrirez les yeux et fixerez uniquement le bout de vos index. Uniquement lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule. La personne que je touche seulement sur les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Uniquement le bout de tes index et tu sens déjà tes muscles se relâcher. Tes yeux viennent de plus en plus longs, c'est sur les comptes de 3. Regarde, 1, 2, 3, c'est comme ça. Tu viens, calme, relâchez de plus en plus, calme. De plus en plus relâché, tu t'enfonces tranquillement. Au plus profond de toi-même et je reviens vers toi dans quelques instants. Que je touche ce que tu veux, tu fixes le bout des index, uniquement le bout des index, et tu vas te rendre compte que le index s'approche, et tu as bien vérifié que tu te rends. Le muscle se relâche de plus en plus, c'est sur le compte de 3, bien là, mais tu vas se relâcher. Calme, relâche de plus en plus, calme, de plus en plus relâché. Encore, 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 de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Que je touche ce que tu veux, tu vas fixer le bout des index, uniquement le bout des index, regarde, le muscle se relâche, j'ai de plus en plus sur le compte de 3. Fixe le bout des index, uniquement le bout des index, et tu sens toi aussi. C'est puisque tu relâches les lumières de l'île de plus en plus lourdes. 1, 2, 3, c'est le profond. Tu viens, calme, relâcher de plus en plus calme, et tu t'enfonces tranquillement. Au plus profond de toi-même, encore, encore. Les yeux sont hermétiquement fermés, totalement. Hermétiquement fermés, et tu t'enfonces tranquillement. De plus en plus, au plus profond de toi-même. Encore, encore, encore. Les yeux sont verrouillés, tu arrêtes à s'éloigner maintenant, et tu descends tranquillement. Et bien sûr, je touche ce point, tu veux du même, fixe le bout des index, uniquement les lumières. Toi aussi, 1, 2, 3, c'est le profond. Tu viens, calme, relâcher, et tu t'enfonces tranquillement, au plus profond de toi-même. Les yeux hermétiquement fermés, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. La personne que je touche seulement, tu veux les yeux maintenant, fixe le bout des index, uniquement les lumières. Sur le compte de 3, tes yeux sont hermétiquement fermés. Tu pars toi aussi, on se met au fond, 1, 2, 3, sommeil profond. Tu viens, calme, relâche, tes yeux sont hermétiquement fermés, tu t'enfonces tranquillement. Au profond de toi, encore, 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 de plus en plus, de plus en plus. La personne que je touche seulement, tu veux les yeux maintenant, fixe le bout des index, uniquement sur le compte de 3, tes yeux sont hermétiquement fermés, tu t'enfonces tranquillement. 1, 2, 3, sommeil profond, tu viens, relâche, de plus en plus, de plus en plus, relâche, de plus en plus. Au plus profond de moi, encore, encore, les yeux, ça fait mal, tiens, tout à l'heure, tu vois, tout se fait. Personne que je touche seulement, tu vois les yeux, la confiance, tu vois les yeux, 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 de plus en plus, de plus en plus, tu vas laisser les yeux, tu vois 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 les yeux, Tout seulement, tu veux les yeux maintenant, regarde, 1, 2, 3, c'est le profond, tu es très bien.
surtout ce dont tu m'as dit, c'est toi aussi, parce que ce village, toi aussi, nous aussi. Sur des chaises, sur le compte de trois, vos yeux vont s'ouvrir et vous n'aurez qu'une seule envie, vous lever et venir droit ici vous installer sur la chaise. Je compte 1, 2, c'est votre imprégné de votre esprit et 3, vous venez du mal. Enfermez vos doigts sur le collet, vissez, serrez. Et lorsque vous sentez une main sur votre épaule, tout ordre, nouveau. Balancez, s'il y en a qui dorment dans le fond, il y en a encore qui dorment dans le fond, bah. Non, c'est bon. Seulement sur le compte de 3, vos yeux s'ouvrent et vous n'avez que cela, vous montez droit sur la scène du monde. 1, 2, 3, vous montez. Ah, je pense que tu peux enlever. Il n'y a personne qui dort. Pardon, voilà, t'as mis un peu. Il n'y a personne qui dort à vos pieds. Personne, c'est bon. Bon. Alors, à partir de maintenant, tous les gens sur les doigts collés, vissés, serrés, qui sont encore debout, les yeux hermétiquement fermés sur le compte de 3, vos doigts vont se décoller instantanément. Je compte 1, 2, 3, vous ouvrez les yeux maintenant, il va se décoller instantanément. Et voilà, il est désolé tout le monde. Ok, fatigué, il fait chaud quand même. Alors, on va prendre rapidement les prénoms des gens pour savoir où vous arrivez pour prénoncer. Julie, hop, ouais, c'est mieux. Julie, attends, tu l'as mis, ouais. Julie. Ça marche. Néri. Calme-toi. Donc Julie, Néri, c'est ça. Estelle. Néri, Estelle, Vincent. Alizée. T'as vu, tu fais ça genre... Alizée. Allez, je vais Alizée. Yoann. Yoann. Eric. Eric. Tu as déjà vu toi sur Mathieu. Mathieu. Marie. Marie. Laetitia. Laetitia. Impeccable. Alors... C'est Marie, allez, viens avec moi. Alors, mets-toi par ici, c'est très simple. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas le mettre face à moi. Et tu sers les gens. Devant les gens. Là, vous venez de voir au milieu de la salle plein d'embaumissements rapide. Très rapide. Trop rapide. Je suis dans ma main. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la position. Ah, ça va le bras. Ah, c'est bon. Donc je vais juste prendre la position de son bras, juste pour lui montrer qu'il n'est pas bon, vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'endormir forcément les gens pour qu'ils soient en état hypnotique. Et là, je vais juste hypnotiser ton bras. Voilà. Pour ça, rien. Je prends un point ici sur mon bras. C'est quoi, je vais me poser. Okay. Alors, Alizée, tu vas aller à l'école, tu vas à l'école, tu iras à l'école un jour, je sais pas, je sais pas, c'est ta vie, c'est pas la même. Bon. En tout cas, tu sais que pour que tu sortes une pression dans certaines mains, il faut que tu aies une contre-pression. C'est-à-dire que si je lève une pouce, tu sens mon doigt que c'est ma vie. D'accord. Je vais te demander une contre-pression, une pression.
tout à l'heure, je t'ai parlé de pression. De pression, et c'est pas pour rien. Parce que si tu regardes, maintenant, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de pression. Et pourtant, je sens que ça va. C'est toi qui es en train de créer la pression ici, dans ton esprit. J'ai dit que tu veux prendre la pression sur ton bras, et pour ça, je vais juste lancer un léger rebondissement. Mais surtout, quand tu sens que tu as un bras, ça va du bout des poches jusqu'au poignet, c'est ça. On va faire remonter jusqu'au bout. Profondément. 3, tes muscles sur la plus en plus, ça vous a fait totalement troublé. J'ai eu de plus en plus.
simplement parce que mon doigt est à ma forme d'interrupteur. Et lorsque je vais retirer mon doigt, tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement et je vais repartir à nouveau. En sommeil profond, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez de plus en plus tiens. De plus en plus relâchez, je vous renforce la chaîne. Pas de bouger. Ah, on se tient. Moi je suis
C'est bon, en fait. Bon, je vais tout simplement vous montrer la paume de la main, et lorsque vous verrez la paume de la main, chacun votre tour, vos yeux vont se fermer hermétiquement à nouveau et vous allez partir à nouveau dans une étape calme de paix et bien-être pour que je puisse vous décoller de votre support. D'accord? Je sais pas si vous l'avez remarqué. Allez, tu regardes ici. 1, 2, 3. Si tu regardes ici. 1, 2, 3. Voilà, c'est impossible pour toi de passer, impossible pour toi de tomber de cette chaise. Tu regardes ici, tu te dis uniquement. Tu regardes uniquement. Kata, qu'est-ce qui t'arrive? T'as des trucs sur ta main? C'est ton cul, réponds à ce. Ah, t'as une bonne heure. J'ai une bouche qui gratouille. Ok, excuse-moi, on en était là, pardon. Tu regardes juste ici, tu vas voir que le plus loin se rapproche, le plus près, il se trouve. À nouveau, j'ai dit, nous sommes venus de 3 à 2. Quel est le plus loin, j'ai juste en train de faire tomber les yeux, hermétiquement fermés, les paupières hermétiquement verrouillées, la statue est ici, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, par terre sur la scène. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3. Sur le compte de 3, chacun de vos membres seront totalement décollés. Vous allez pouvoir vous relever et vous asseoir sur les chaises libres, ici sur scène. Uniquement les jambes allongées, ici sur la scène, Mary, Vincent, Léon, Louise. Eric. Je compte 1, vous rendez tranquillement parmi nous. Je compte 2, chacun de vos membres est totalement décollé du support. Et je compte 3, vous ouvrez les yeux. Thank you.
suis hermétiquement fermé, toujours dans cet état de calme, de paix et de bien-être. Toujours dans cet état de calme, de paix et de bien-être, nous continuons le voyage, tout simplement, dans les amis d'une fête foraine. Vous entendez les marchands ambulants ? Tous les stands sont là. Devant vous, vous voyez le grand 8 qui passe maintenant. Ça vous donne une irrésistible envie de monter à bord du grand 8. C'est pourquoi vous êtes maintenant assis à bord du grand 8. Vous sentez les sièges se durcir sous vos fesses. Dans quelques instants, vous allez entendre quelqu'un vous demander d'abaisser la barrière et pour votre sécurité, il sera très important d'abaisser la barrière. Ici Estelle, un micro. Ne t'inquiète pas, il y aura un playback.
que vous n'êtes pas ici au Mind Game Show en train de participer à une grosse expérience en spectacle d'hypnose, mais vous êtes tout simplement dans une salle de 14 000 spectateurs en délire. Les batteries, c'est parti, batterie, on y va maintenant. Attention les guitares, guitares. Et attention le playback commence maintenant, playback. Et ne peut rien vous arriver. Et au
terme de ce décompte, vous sentirez une secousse qui voudra dire que vous êtes correctement posé sur cette planète. Vous êtes à 100 mètres de haut. La descente se passe bien, en toute sécurité. Vous êtes à 50 mètres de haut. Vous êtes à 25 mètres. Je vous rappelle qu'au terme du contrat en bourse, le zéro, vous sentirez cette secousse qui veut dire que vous êtes bien arrivé. Attention, 15 mètres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, atterri sur cette planète. Vous allez appuyer sur les boutons devant vous pour vérifier que l'air est respirable. Vous appuyez maintenant. Vous vous rendez compte que l'air est respirable, alors vous allez pouvoir poser votre casque de cosmonaute maintenant. Et c'est à ce moment-là que tous les boutons devant vous s'affolent. Puisque vous vous rendez compte, à cause de tous les capteurs, que vous êtes tout simplement arrivé sur une planète un peu bizarre. Il s'agit tout simplement de la planète des nudistes. Mais dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3, sur le compte de 3, vos yeux vont s'ouvrir. Vous êtes dans l'incapacité la plus totale de voir le moindre vêtement. Lorsque vous comptez le chiffre 3, vous allez vous ouvrir et vous vous rendez compte que vous serez dans l'obligation la plus totale de voir tout le monde complètement nu et dans l'incapacité la plus totale de voir le moindre vêtement. Et je compte 1 et vous revenez tranquillement parmi vous. Je compte 2 et cet ordre s'imprègne à l'intérieur de votre esprit. Vous êtes dans l'incapacité la plus totale de voir le moindre vêtement. Ça s'implante maintenant. Et sur le compte de 3, vous vous ouvrez maintenant. C'est pas très cool, franchement.
pas très cool. Non, il y a juste un petit problème qu'il faut que je te dise. Mais tu sur la planète du guest aussi. Tout comme Yohan, il y a des airs, regarde, tout. Neri, toi aussi tu es sur la planète du guest, regarde-toi. T'es complètement nu, Neri, regarde. Estelle, toi aussi tu peux. Toi aussi, t'es un petit peu de bouche. Toi, t'es déjà tout. Allez, on est en famille ou quoi? Ouais, excusez-moi, le manque un show, on est en famille ou pas? Ouais. Alors tranquille, juste parce qu'on est en famille, juste pour le plaisir. Yohan, Alizé, Estelle, Neri. Regarde par ici, juste pour entre nous, hein, c'est entre cette famille. Attention, plutôt que pour dire. Oh. Je m'en occupe, alors je vous explique pourquoi je m'en occupe pas. Parce que pour l'instant il est bien, il est en encéphalorectomie. Vous connaissez l'encéphalorectomie ou pas? L'encéphalorectomie, la tête dans le cul, l'encéphalorectomie. Et donc je laisse comme ça à la fin du spectacle, je les remets tous d'aplomb, ils vont tous être très bien et vous allez pouvoir repartir avec vos proches sans aucun souci. Mais pour l'instant je m'en occupe pas parce que si je m'en occupe, il risque de partir trop loin et ce sera pas bon pour lui et pour sa santé. Par contre, pour l'instant, j'ai une question à vous poser avant de faire la dernière action de ce spectacle. Est-ce que vous connaissez la rafale? Est-ce que c'est une rafale? Ouais. Pas une rafale de vent comme des veillères, hein, non, une rafale. Oui. On peut faire les rafales avec l'hypnose aussi. Je vous montre. Truc sympa. Tiens, tu regardes ici. Juste ici sur le groupe de 3 sur le site. Permettez-moi tout à l'heure. 1, 2, 3, sommeil profond. Sommeil profond. Sommeil profond. Sommeil profond.
s'endort même quand je ne demande pas. Allez-y, tu deviens une chambre. Et tu bouges plus. À partir de maintenant, pour tous les gens qui sont ici endormis sur cette scène, je viens retirer tout ce que j'aurais pu implanter dans votre esprit. Je viens remettre tout ce que j'aurais pu enlever. À partir de maintenant, vous êtes les mêmes personnes que vous étiez lorsque vous êtes venu vous installer avant le début du test, avant le début du spectacle tout à l'heure. Strictement les mêmes personnes, tant psychologiquement que physiquement, avec un tonus musculaire parfait, avec un tonus psychologique parfait, prêt à terminer votre salon comme vous le désirez, comme vous en avez envie. À l'exception d'un ordre post-hypnotique que je viens implanter maintenant dans votre esprit à chacun. Cet ordre est que demain matin au réveil, lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous aurez l'agréable sensation d'avoir fait une pleine nuit de 16 heures de sommeil. Tant psychologiquement que physiquement, vous aurez l'agréable sensation d'avoir fait une pleine nuit de 16 heures de sommeil. Je compte 1 et vous revenez tranquillement parmi nous. Je compte 2, cette heure s'imprègne dans votre esprit et tous les souvenirs de cette expérience explosent dans votre tête. Et je compte 3 pour vous les yeux. Si vous vous sentez un peu bizarre, un peu patraque, surtout venez me voir avant le spectacle, partez pas, je vous serai venu voir s'il y a un problème, d'accord? Et vous allez pouvoir tranquillement retourner à votre place. Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir encore tout le temps. Ça va bien? C'est bon? Donc, c'est ça. Si vous sentez un bizarre place, on va mettre une petite chaise là-bas comme ça. Non, toi tu restes libre, toi. Ah oui! Il se fout de ses gueules quand même, hein. Il a fait des trucs de fou et puis il se fout de la vie. Ah, ça va toi? Je vais les aider là, non? Non, non, c'est moi qui vais les aider les autres. Mais c'est cruel, ouais, attends, je t'aide à débarrasser, chérie, nous sommes plein de tout. Ok. Ah, tu me regardes dans les yeux et moi je suis pris tout à l'heure. Donc, je t'explique ce qui va se passer, on va faire une dernière action avec Alizé. Et ensuite, le spectacle sera terminé pour vous, pour elle. Bien sûr, moi je vous attendrai d'un sur Facebook si vous avez envie de mettre un petit mot en disant ah, le mec il est cool, il est beau gosse et tout, vous mettez un petit mot, ça me plaît. Si vous avez aimé le spectacle, si vous n'avez pas aimé le spectacle, vous oubliez que j'ai un Facebook. Deux, je vous attends sur mon Snapchat pour avoir toutes les vidéos de sur la scène, hein, forcément, bien sûr, vous avez vu ici et toute la journée d'ailleurs, tout le monde. Et trois, je vous attends sur le stand pour si vous voulez signer des autographes, faire des photos ou discuter hypnose ou autre, il n'y a pas de souci, je suis là. On y va tous les deux? Allez, on y va. En même temps, j'ai envie de te dire que j'ai commencé le spectacle avec toi. Il me semble logique de terminer avec toi. Viens par là. Tu veux mettre les bras le long du corps. Les jambes serrées. Vous avez écrit ce nom de la douce. Alors, on va faire des pauses, on va faire du foot. Et tu as donné ta main. Ce qui va se passer, c'est très simple. Tu as donné un chiffre. Sur ce chiffre que je vais noter, que je vais sur ma main. Si quand totalement tu vas partir pour la dernière fois du spectacle en semaine profonde, et lorsque tu ouvriras les yeux, le spectacle sera terminé. Là, tu n'as rien à faire avant de te concentrer sur le sommeil et sur les autres qui vont venir dans ton esprit. Ton chiffre, c'est quoi? 6, 7, donc je vais dans le spectacle. 1, tu prends ta forme d'inspiration. 2, tu expires profondément. 3, tu muscles sur l'âge. 2, plus en plus. 4, tu perds les mots, 5, tu te réalises sur le sens. Tu viens de relâcher. De plus en plus cher. De plus en plus relâché. Plus on peut parler de plus tu t'enfonces tranquillement, au plus profond de toi-même. Encore, encore, encore. Même si tu sens ton manicule, tes yeux restent hermétiquement fermés. Et à partir de maintenant, tu commences à sentir tes pieds qui se rapprochent l'un de l'autre. De plus en plus. De plus en plus, sans que tu puisses rien y faire, sans que tu puisses lutter. Tu as tes pieds qui se rapprochent encore. Encore, encore. De plus en plus. De plus en plus. Je vais prendre des photos, des vidéos, ça va. Se brûler, fissé, serré, ici, entre tes cuisses, encore, de plus en plus, tes coudes se rapprochent de ton corps, encore, de plus en plus fort, de plus en plus dur, tes genoux se collent les uns contre les autres, impossible pour toi de décoller tes pieds, tes genoux, tes mains, tes coudes, qui se rapprochent encore, encore, et maintenant sont carrément tes muscles qui se contractent au niveau des mollets, qui se contractent au niveau des cuisses, qui se contractent au niveau des abdominaux, des épaules, de la nuque, de plus en plus contractés, de plus en plus durs, si bien que tu te transformes en barre de fer, en rail de chemin de fer, et impossible pour toi de plier, impossible pour toi de tendre, de plus en plus dur. De plus en plus, et tes abdos montent, encore, encore, de plus en plus haut, impossible pour toi de plier, impossible pour toi de tendre, de plus en plus haut, de plus en plus dur, encore, 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 de plus en plus. Et lorsque tu touches tout seul, tu relâches, reste en train de te faire, et je suis en train de te faire la respiration calme.
souris tranquillement par la main. Je compte deux, et cette heure de prospective s'aime au plus profond de ton esprit. Et le matin au réveil, tu auras la claire de sensation que psychologiquement et physiquement d'avoir fait une pleine nuit de 7 heures de sommeil. Et je compte trois, et je souris qui se tiennent de la tête. Voilà, qui sont les présidents qui se souviennent, je connais encore un peu. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu. Antoine Chollet, président de l'association UPG, dans quelques instants.